Le Léopard 2 est un blindé allemand développé à la base pour remplacer le M48 Patton, utilisé par Bundeswehr et évolué aux côtés du Léopard 1, déjà en service. Le Léopard 2 surpassait ce dernier dans le domaine de la mobilité, de la protection et de la puissance de feu. Sa bonne réputation est reconnue au niveau international. En 1969, la série d'essais des prototypes du futur char de combat MBT-70 américano-allemand démontrèrent que ce prototype hautement sophistiqué était devenu trop lourd. La prochaine étape du processus de développement allait donc devoir porter sur la refonte d'un char afin de réduire son poids. Néanmoins, aucun des deux pays ne parvint à une entente et le programme MBT-70 fut définitivement stoppé le 20 janvier 1970. Les USA et l'Allemagne de l'Ouest décidèrent donc, chacun, de développer de leur propre côté leurs chars de combat respectifs. De 1965 à 67, Porsche était vu accorder un contrat visant à concevoir des améliorations à apporter au Léopard 1. Tout juste entré en service. Ce programme, baptisé Léopard Doré, avait pour but de rendre les futures versions du Léopard 1 aussi compétitives que le MBT-70. En 1967, lorsque les premières tensions entre les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest apparurent, le ministère fédéral de la Défense décida de poursuivre le programme Léopard Doré, parallèlement au développement conjoint du MBT-70. Porsche était en charge de concevoir châssis, tandis que Wegmann s'occupait de la tourelle. Deux prototypes du Keller, sanglier en français, furent fabriqués en 1969 et 70 sous l'appellation ET-01 et ET-02. Ce char possédait une tourelle aux formes angulaires avec un masque en pointe de flèche. Utilisant la méthode d'assemblage de mécano-soudure, la tourelle était recouverte d'un blindage espacé constitué d'une carapace en acier haute dureté. L'armement consistait en un canon à amlisse de 105 mm tirant des obus flèches. Son glacis présentait une inclinaison importante et la motorisation était assurée par un moteur V10 diesel couplé à une boîte de vitesse automatique. Le moteur était une version raccourcie à 10 cylindres du moteur V12 diesel. Fin 1969, l'Office fédéral allemand des techniques de l'armement et de l'approvisionnement lança une étude dans le but de réutiliser les composants développés durant le programme MBT-70 sur une version modifiée. Il reprenait notamment le canon XM-150 de 152 mm du MBT-70 ainsi que le canon mitrailleur de 20 mm monté sur un tourello téléopéré. En début 1970, le ministère fédéral de la Défense recommandèrent de poursuivre le développement du Léopard Doré, mais en adoptant, cette fois-ci, le moteur V12 diesel. 10 prototypes armés d'un canon lisse de 105 mm
suivis de 7 autres armes d'un canon lisse de 120 mm furent commandés. 16 châssis portant l'appellation PT1 à PT17 et 17 tourelles furent construits entre 1972 et 1974. Une version armée du canon de 152 mm du MBT-70, baptisé Léopard 2FK, Flugkörper ou missile, fut envisagé, mais le projet fut annulé en 1971. Appelé Léopard 2K Canon ou Canon, ces prototypes reprenaient une partie des équipements de motorisation hydraulique de la tourelle du MBT-70, ainsi que ses galets de roulement, ses chenilles, son moteur et sa boîte de vitesse. Mais contrairement à ce dernier, le Léopard 2K retournait à une configuration classique d'équipage à 4 hommes, avec pilote en châssis. Le Léopard 2K devait respecter l'indice de classement OTAN MLC-50, masse inférieure à 45 tonnes. En dehors de l'armement, ces prototypes se différencièrent aussi par leur châssis, modèle de chenille, configuration du groupe motopropulseur, nombre de galets, suspension, etc. Il s'est avéré que les prototypes Léopard 2K étaient entre 1,5 tonnes et 5,5 tonnes plus lourds que la limite des 45 tonnes imposée. On développa donc une nouvelle tourelle, ayant le même blindage mais plus légère, surnommée Spitmaus, musaraigne en français, en raison de sa forme pointue. La tourelle Spitmaus amena des contraintes en termes de volume disponible sous le blindage qui empêchèrent de monter le viseur télémétrique qui, ayant une base de 2 mètres, était trop large pour être monté. Une solution fut trouvée en développant un télémètre à corrélation électronique ayant une base d'à peine 35 mm, permettant son installation à l'avant droite de la tourelle. Parallèlement, les premières analyses de la guerre de Kippour démontrer clairement que le char de combat devait être à l'avenir mieux blindé afin de contrer des missiles anti-chars. Le cahier des charges fut modifié afin de faire passer l'indice de classement OTAN de MLC 50 à MLC 60, soit 54 tonnes. La tourelle numéro 14 fut modifiée pour accueillir un blindage composite capable de résister à 1500 mètres aux obus flèches de calibre de 115 mm et 120 mm. Ainsi que des obus explosifs à charge creuse de 120 mm. La création de cette tourelle a représenté une percée dans le développement du Léopard 2 et constitué un premier pas vers le Léopard 2 AV. En 1973, un processus de négociation s'ouvrit entre les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest dans le but de standardiser certains des composants de leurs futurs chars de combat respectifs. Ces négociations aboutirent à un mémorandum d'entente qui fut signé en décembre 1974 et un amendement en juillet 1976. Un châssis du Léopard 2K, le PT-07, fut vendu et livré aux États-Unis en février 1973. Afin d'être évalué par l'US Army au terrain d'essai d'Aberdeen. Une partie du mémorandum d'entente consistait à une série de tests comparatifs entre le prototype PT-07 et le Léopard 2K et les deux prototypes du XM-1. Afin de satisfaire aux exigences américaines du mémorandum d'entente, Porsche, Krauss-Maffei et Wegmann
concurrent, le Leopard 2 avait Austere Version, version austère, ou American Version, version américaine. La tourelle AV était conçue sur l'expérience acquise de la tourelle T14 Mod, mais intégrait une conduite de tir moins sophistiquée, le châssis intégrait dans sa pointe avant un réservoir de carburant intercalé entre deux blindages composites. Les déports de caisse étaient désormais à bord droit. Les essais terminés, la version AV est retenue et sert de base pour la production par les entreprises Krauf Maffei et Mack. En 8 lots, 2950 chars construits entre 1979 et 1992. En 1988, un programme de modernisation est mis en place pour donner naissance à la version A5. Le déplacement du viseur panoramique du chef de char, une augmentation du blindage sur l'avant de la tourelle et sur le train de roulement, l'installation d'une caméra thermique pour le commandant. Sur le Léopard A6, le canon de 120 mm L44 est remplacé par le modèle 120 mm L55, plus long. Cette variante de blindé est également doté d'une protection NBC ainsi que d'une vision de nuit. Le Léopard 2 fut le premier char de combat occidental armé d'un canon à amlisse de 120 mm. Le développement de ce dernier commença en 1965 et il fut testé par les prototypes du Léopard 2K au début des années 1970. La masse reculante pèse 1905 kg dont 1175 kg pour le tube du canon. La masse oscillante pèse 3015 kg, portée à 3655 kg avec le masque en composite. Le tube chromé a une longueur de 44 calibre, 5300 mm, et un manchon anti-arcure en fibre de verre le recouvre sur toute la longueur. Il tire des munitions de 120 par 570 mm en cartouché, à douille combustible au standard d'OTAN. Sa pression maximale admissible en chambre est de 7000 bars pour un effort de recul compris entre 290 et 340 mm. La dotation en munitions comprend 42 obus. Le char est propulsé par un moteur diesel turbocompressé à 12 cylindres à refroidissement liquide, ayant une puissance nominale de 1500 chevaux, un régime de 1600 tours par minute. Il est dérivé du Daimler-Benz MB873KA500 qui fut utilisé pour les prototypes du Leopard 2 dans les années 1970 et sur le KPZ70 à la fin des années 60. En 1970, dans le cadre du projet MBT70, un futur char de combat germano-britannique, les Britanniques présentèrent pour la première fois leur blindage composite Burlington à une délégation allemande. La coopération qui s'ensuivit a permis aux ingénieurs ouest-allemands d'acquérir des données et des informations concernant la conception et le fonctionnement du blindage Burlington. Cependant, durant le développement du Leopard 2, une version spécifique dénommée B Technology, mettant plus l'emphase sur la mise en échec des obus flèches, fut développé par l'Allemagne. La protection balistique du secteur frontal, angle de 30 degrés, en partant de chaque côté du canon, des premiers Léopards étaient capables de stopper des obus flèches de 115 mm à une distance de 1000 m, de 125 mm à une distance de 1500 m et de résister aux missiles anti-char Milan 1. En 1988, les Léopard 2A4 reçoivent un blindage composite C-Technology de deuxième génération sans effet sur la masse du char. Il est capable de stopper des obus flèches de 120 mm ainsi que des missiles anti-char HOT 1 tirés dans un secteur frontal de 30 degrés à droite et à gauche. Les pré-blindages latéraux sont également remplacés par des nouveaux que l'on retrouve à partir du Léopard 2A4 des technologies et Léopard 2A5. À
un blindage composite de 3e génération des technologies et incorporé à partir du 8e lot de production. Il est renforcé avec du titane, faisant passer la masse en ordre de combat à 56,5 tonnes. Afin d'améliorer sa résistance, face aux obus-flèches et aux missiles anti-charge à charge creuse en tandem, la version A5 est dotée d'un bladage reporté en forme de pointe de flèche montée sur charnière. Deux éléments de 500 kg chacun sont montés de part et d'autre du canon, tandis que deux petits protègent le coin avant de la tourelle. Les éléments du blindage rapportés sont constitués d'une succession de fines plaques d'acier séparées par des couches d'élastomère. Ce type de blindage a une fonctionnalité similaire à celui des plaques accélérées par choc. Outre le blindage rapporté, le Léopard 2 A5 possède un blindage composite de 3e génération, qui est en mesure de stopper sur le secteur avant des obus flèches DM-43 tirés à une distance inférieure ou égale à 2000 mètres.